Nous sommes enfin arrivés à Sassandra, une ville côtière à environ 300 km d'Abidjan. Riche en histoire et anciennement le port le plus actif de la Côte d'Ivoire. Nous avons commencé notre visite par la plage de Drewin, accessible par une piste, où nous avons profité du cadre pittoresque et des geysers formés par des rochers appelés rochers coco. Il peut pas comprendre, c'est autre chose. La petite a ramené ses copines. On vient pour faire danser ta voisine. Dans le pays, y'a pas besoin de tontine. Aïe, 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 les mamans, les petites veulent du paya. Nagana est dans la boîte. De retour en ville, nous avons admiré la vue depuis la terrasse, un hôtel désaffecté surplombant la baie. Un panorama impressionnant, sur cette baie, les pirogues amarrées sur le sable et la maison du gouverneur, symbole de l'héritage colonial. En nous rendant vers le quartier colonial, nous avons découvert des vestiges historiques, dont la maison du gouverneur, érigée en 1893. Là-bas, tu vas te faire péter un câble. Là-bas, tu vas te faire péter un câble. À ça, la cape, on guitare, pas les deux blocs, tchot, tchot, tchot. Notre exploration nous a ensuite conduit à la forêt sacrée de Sassandra, où nous avons eu la chance d'apercevoir des cercopithèques de Loé, des singes fascinants vivant en harmonie avec leur habitat. Oui, j'ai connu des filles, mais beaucoup de filles m'ont blessé. Tu sais, j'ai connu des filles, mais beaucoup de filles j'ai blessé. Je ne sais comment vous dire, ma veste et fille, c'est pas pareil. C'est la mère de mes bébés en plus. Si ils parlent, on va rendre l'appareil. Et nous, t'es dans la zone, et puis c'est mort. Plus tard, nous avons également découvert Polyplage et Polyrock, deux sites magnifiques où nous avons apprécié la beauté sauvage de la côte et exploré des formations rocheuses impressionnantes. Oh,
Enfin, à Boïko, nous avons rencontré Étienne, qui nous a guidés dans la découverte de la rivière B et des écrevisses locales. Nous avons appris sur la récolte du riz, dégusté le koutoukou, un alcool traditionnel. La visite a été enrichie ensuite par la rencontre avec un singe verveux, apprivoisé, et l'observation des techniques de fumage des poissons.